Salut les amis, petite session d'une heure de Zelda avant de aller travailler, parce qu'il faut aller travailler, hein. C'est comme ça la vie, hein. On n'a pas le choix en vrai. Hop, on va couper ici, voilà, et c'est parti, qu'est-ce que vous en pensez? Alors j'ai l'impression que... ça n'a pas fonctionné. Gaming mode, elle a dit gaming mode. Bam. Voilà. Ben c'est parti. C'est parti. Ouh, j'ai la tête bien blanche, hein, avec ces... entre l'écran. Donc faut bien que je surveille ma... ma l'heure, hein, parce que... faudrait pas oublier d'aller travailler. Alors, qu'est-ce que je prends ça? Ah, c'est parti, hein. Est-ce qu'on pourrait peut-être se faire un peu bouffer en attendant? C'est possible. Je crois que j'avais pris de la bouffe. Parce que je me suis quand même... voilà. Ça ou pas? Brochette de viande électro, très bien. Par contre, je sais pas si j'aurai le temps. Ah, je fais n'importe quoi. J'avais pas de la viande là. Oh, elle est où? Elle est où la viande? Elle est où la viande? Je peux faire du Inifus. Les écailles de césar endémiques d'Ordine regorgent d'argent de fin avec les matériaux de monstres. Je sais plus s'il faut que j'en prenne beaucoup. Est-ce que ça va marcher? Minutes, génial. C'est ce que je voulais. Ok. Un peu de temps, mais c'est pour la bonne cause en vrai. C'est pour la bonne cause. Violette tempo, air piment. Noir de coco. Et pas du sucre. Il n'y a plus de miel.
C'est quoi ça? Cette corne est si robuste que la plupart des lames ne peuvent les égratigner. Faites la cure avec une grenouille, un insecte, un lézard pour obtenir un remède. Ok, c'est intéressant ça. Ok, c'est de la merde. D'accord, ça m'intéresse ça. Avec une grenouille. Il disait quoi? Remède max, putain, génial. Ça, c'est bon. Il faut faire de ça. Oh putain. Lézard tempo, lézard max, il est où? Il est là. Hop. Bien sûr. C'est pas mal ce qu'on a fait. Ok. On va voir un peu le journal. À la source de la force. Donc l'ordre qu'il faudra que je trouve. L'esprit écarlate de la source de la force. Le maître du bonheur s'est arraché à proposer de vendre des maps, c'est d'accord. D'accord. Alors qu'il voyageait aux alentours de notre plateau de Méticus. Voilà, je fais des... Je fais des petits rototos. Des petits rototos. Des petits rototos. Ah putain, on est en galère. On est en big galère, quoique. Diego libre dans son zbou. Thank you.
Salut Hadès, comment ça va? Oh, j'ai vraiment les couleurs c'est pas ça aujourd'hui hein. Je sais pas ce qui se passe là. Au niveau de l'éclairage, c'est pas la mort quoi. Est-ce que c'est mieux là? J'ai la gueule toute rouge les gars. Faut que je fasse un réglage là parce que ça va pas du tout. Je suis tout rouge. Ça m'énerve, c'est en train de m'énerver. Je le sais, je le vois. Ouais, on dirait que j'ai pris un coup de soleil, putain. Qu'est-ce que c'est que cette lumière de merde? Ça fait méchamment ressortir ma... ma barbe toute blanche. On dirait que je suis un papy, putain, c'est n'importe quoi. Bon, bah, va falloir faire quelque chose, hein. Je sais pas quoi encore. Ça me saoule. Ok, on va rester comme ça, mais c'est naze. Non, d'une feuille, tu m'as trouvé! Je suis luisant, ça me casse les couilles. C'est pas grave, c'est pas grave. Je me suis un peu pris la tête là sur la lumière. Faudra que je regarde ça, c'est honteux. Je sais comment faire. Je pense que ça devrait être mieux là, avec un petit peu de lumière en plus. Hop là, ici et là. Voilà. Ça devrait plus faire le taf déjà. Ta grand-mère en slip, hein. Vraiment. Je tiens à te le préciser. Ouais, c'est mieux. Oh, bof. C'est mieux là. C'est presque mieux. Presque, presque, presque. Alors, je dis que c'était par là, c'est ça? Ça va être une petite session hein, parce que je bosse aujourd'hui, les amis. Donc, c'était juste pour continuer à avancer un peu. Histoire de dire hein, qu'on perd pas le nord, qu'on perd pas la. Qu'on lâche pas, quoi. Allez, monte. Bon, et vous, c'est quoi votre programme aujourd'hui? Ça bosse un peu? Est-ce que ça bosse aussi? J'espère qu'il n'y a pas que moi qui vais bosser quand même. Ça sera honteux, hein, les gars. Je vais pas avoir assez. On va faire ça en fait. On va déjà grimper le plus haut possible. Voilà, et là ça va. Là ça va faire le taf. Je bosse à 2h45 jusqu'à 20h. Putain, moi aussi, 19h30 là, mais à partir de 10h. Salut Tony, comment vas-tu? Ça va bien? Putain, c'est mon écran, il est trop flashy, tu vois. Il m'en envoie plein la gueule. Bah tranquille, on fait une petite session d'une heure, quoi, à peu près. Avant d'aller travailler. On optimise le temps. Enfin, on essaye. Mais même là, ça va être tendu, non? Non, ça va pas être tendu. Allez, grimpe, Forest. Alors, ça, c'est Breath of the Wild, hein. C'est pas Tears of the Kingdom, non? Bien sûr. J'attends justement de terminer celui-ci. On n'est pas loin de la fin, je pense. Enfin, pas à 100%, hein, je veux dire. Je dis pas que je vais avoir toutes les noix Korogu. Je vais au moins essayer d'avoir tous les sanctuaires. Il m'en manque 30. Et puis éclater la tête de Ganon, quoi, lui casser sa gueule. Lui casser la gueule à Ganon. Si tout se passe bien. Oh là là, ça pue la merde.
quoi, il y a quelque chose d'autre qui est tombé. Ouais. Ouais, je sais pas si j'aurai le courage de le faire à 100%. J'aimerais bien avoir les 120 sanctuaires, ça c'est sûr. Au moins les 120 sanctuaires, ensuite éclater Ganon. Et après, pourquoi pas y revenir pour... pour poncer vraiment le jeu, mais gentiment, quoi, tu vois. Mais j'aurais commencé TOTK entre-temps, parce que... Ce qui m'intéresserait, c'est d'y revenir à celui-là après. Pour éventuellement faire toutes les noix Korogu et puis les DLC, en réalité. Faut que je me fasse un stock. Ouais, mais vous êtes des foufous aussi. Est-ce que t'as vraiment profité? Dis-moi que t'as profité, que t'as... Remarque, si tu l'as fini à 100%, c'est que t'as profité, hein, en même temps. C'est loin ou c'est pas loin, là? Je suis pas loin du truc. Tu vois, sans le rusher, quoi, parce que c'est chiant. Enfin, voilà, moi, je veux pas le rusher, je veux pas faire de glitch. À la cool, tu vois. À l'ancienne. En mode tout le temps découverte, c'est-à-dire... Je veux que le jeu il m'émerveille toujours. Ok, ok. C'est ça le principal. Parce qu'on va pas se mentir, ce jeu m'émerveille toujours. Quand même un jeu qui a 7 ans presque. Que j'ai acheté Day One et... Je me suis fait baiser. Ok. Reste tranquille Jean-Michel. J'avoue. Ouais, c'est une pépite, quoi. Y a rien à dire. Hein. C'est Nintendo. Hein. C'est de la pépite. C'est de la pépite des chocolats. Hein. Ça serait pas là, le pont. Il est là, le pont, non? On va aller casser des gueules. Normalement, on va aller casser des gueules. Là-bas, tu vois, là-bas, on doit pouvoir casser des gueules. Voilà. Ok, les gars. Allez, venez, les petits gars. J'ai un cadeau pour toi, hein. Va te casser ta gueule. Attends, j'y arrive toi aussi, je te pousse. Oh le bâtard. Il n'y a pas de problème. Tu veux me taper, je vais te cogner. Oh là là, elle va le démonter comme ça, elle met des patates dans la gueule. D'accord, flèche de feu, ça m'intéressera, bien entendu. Oh là là, je lui mets un coup de batte. J'ai cassé sa gueule. Mais oui, tu es sauvé en fait, bien entendu, évidemment. Donc. Je dois en sauver 4, hein, je crois. Ah, peut-être pas, non. Ouais. Ok, ça en fait 2. Alors d'après vous, est-ce qu'il y en a d'autres? Eh, les baltringues!
Pas mal, ce qu'on a fait, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Salut mon ami! Et en fait, c'est l'autre qui m'envoie là. Et toi, tu vas être fâché aussi. Il est 9h, c'est tranquille, les gars. J'en ai sauvé 3, me semble-t-il. Il y a un cofio là. Que j'ai pas ouvert. Écoute, ça fait toujours 50 rubis et 50 rubis, on crache pas dessus, jamais, never. Il faut vraiment que je me refasse aussi un stock de flèches. Je suis toujours à la ramasse en flèches. C'est un peu honteux, quoi. Ça ira très bien avec ça. Non, encore là ou pas? Ce qui est chiant, c'est vraiment, c'est la fragilité de toutes nos armes, quoi. C'est d'une fragilité, c'est scandaleux. Et il faut que je trouve une batte beaucoup aussi. Mais putain, casse pas les couilles. Tire-toi, toi. Oh, le bug, regardez. Ah non. Et ben voilà. C'est pas mal ce qu'on fait. Moi, j'ai créé 2 comptes avec un glitch. Un avec un glitch, d'accord, et l'autre sans. Ok. Les glitches, du coup, ça te permet de quoi? D'avoir des rubis illimités, ce genre de truc? Si j'arrive à remplir déjà une ou deux missions en une heure, c'est cool. Hein. Me serais-je fait duper? D'accord. Ces glitches-là, c'est uniquement ça? C'est uniquement sur les... Enfin, je veux dire, c'est la seule chose que tu peux avoir en plus, quoi. Mais j'ai... Alors, attends, je les ai pas tous encore? Wow, mais je dois en sauver combien, les gars? Ah, si, ça y est. On a réussi, hein. Ah, d'accord. Ok, avant de faire cela avec Glitch, ok. Pouh! Ok. Ouais, parce que sinon, c'est un peu gâché, quoi. J'avoue, après, quand tu fais les... C'est ça, parce que t'as les DLC, t'as les épreuves, c'est ça? Dans les DLC, je crois. Les épreuves de héros, je sais plus quoi, là. Et là, effectivement, bon, bah, ça vaut peut-être le coup. Oh, il y a de la caillasse, les gars. On prend la caillasse, toujours. Toujours, on prend la caillasse. Allez, casse du caillou, mon ami. Ok. Il est là, le...
en profiter pour choper des champignons. Tu peux utiliser ma prière à tout moment. C'est bien, des silex. Et oui, je suis de retour, mon ami, bien entendu, bien entendu. Je t'attendais. Ah oui, hein, c'est mieux quand même. Hein. Tu peux avoir tout ton endurance et tous les cœurs. Ouais, non, tu vois. Vraiment, c'est pas mon truc. Bah ouais, il faut faire ça sans. Bah moi, je trouve que c'est un peu gâché, quoi. C'est gâché l'expérience. Après, quand tu veux faire, par exemple, des speedruns, ce genre de choses, pourquoi pas? Et encore, est-ce qu'on peut speedrunner ce jeu? Je crois pas, hein. Tu m'as raconté que tu avais vaincu des monstres sur les plateformes étroites comme un vrai héros, hein. Vraiment incroyable, blablabla. Hein. Je te remercie. Pas mal. D'accord, on peut le speedrun aussi, celui-là. En même temps, à trop s'inquiéter pour les autres, on en oublie de se protéger soi-même quand on... Ah non, 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 d'accord. Voilà, ça c'est terminé, c'est pas mal. Alright. Voyons voir. C'est beau ça. Les Batmoblines, je crois que je peux les récupérer sur le plateau de d'Hyrule, non? Il m'en faut combien? 10, d'accord. L'urée de Dallas vous a demandé de lui montrer des fossiles de baleines géantes précieux. Ok. Ok, ok, ok. Ce qui va m'intéresser, donc... non, mais c'est ça. Il faut que je trouve l'Ordrak. Et l'Ordrak, je vais le trouver... Oui, non, mais d'accord. Mais j'ai pas d'écaille d'Ordrak. J'ai deux écailles de Rordrak. Ce qui n'a rien à voir. Ce qui n'a rien à voir. Du coup, je vais faire. Moi, je pense qu'il faut que j'aille par là, en vrai. Et je crois qu'ici, il y en a un. Rordrak. Il y en a trois, je crois, des dragons. Trois différents. Alors, oh, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas plu. C'est de toute beauté. Sers-toi de ma rage quand tu veux. Moi, je crois que je vais monter là, surtout. Ah putain, c'est pas galéré, tocard. Ah, il m'a vu. Bagarre. Tiens, prends un coup de marteau dans ta tête.
Ah, ils sont énervés, hein. Tu vas la fermer. Tape. Voilà. Est-ce que je leur mets dans la gueule? Ah, attends, il m'avait dit de prendre quoi, l'autre, je sais plus, attends. Ah, putain de merde! Faut que je change de fringue. Voilà, avec ça, je vais taper plus fort, normalement. Il avait un saphir brut, c'est cool ça. Allez, ça dégage. C'est bien, on leur a pris de l'oseille, hein. On leur a pris du blé, les gars. Est-ce que j'aurais pas une batte meubline là? Non, tu vois, c'est des battes bocaux. Est-ce que mes... Faudrait aussi que j'aille remplir mes sacs, en fait, que j'aille agrandir mes sacs. Ça serait pas du luxe, en vrai. Il n'y a même pas, les gars, il n'y a même pas. Ça explose pas ? C'est abusé. D'accord, je le brûle et ça explose pas. Complètement con. Ok, c'est pas super bien fait ça. Hein. Je m'excuse, mais ça me trouille le cul quoi. Quelle déception! Oh, mais quel con! Le fail! Oh, le boulet! Je vous jure, c'est... un peu les bêtises, ça. Ok, je sais plus ce que je dois faire, en fait. Je veux trouver absolument Toto l'haricot, là. Alors, voyons voir. Je sais qu'il y a le... Il y a un des dragons, ici. Je le trouve. T'es quand même plus proche du village des Carailles que... Là, je re-rentre dans les terres, ça doit pas être très bon, en fait. Ça doit pas être ça. Ok, le village est là.
fait un réel temps de chiottes. Hein. Donc ici c'est la mer, hein, c'est la mer. Je suis sûr qu'il est par là en vrai. Oh le con. Je vais prendre un peu de viande, hein. La viande c'est bon. Ok, moi je disais que je crois, il me semblait que c'était par là quoi. Ouais, il me semble bien que c'était par là. Presque sûr et certain. Comment ça va, Jacking Reaper? Ça va? Bienvenue. Oh, c'est un petit stream là, c'est pas, il va pas durer longtemps, c'est faire une petite heure avant d'aller bosser. Histoire d'avancer tranquillement, tu vois. C'est bon, je l'ai eu. C'est toujours ça de prix. J'aimerais bien quand même. Oh regardez, il y a de la caillasse. Il y a de la caillasse. Là par contre je vais changer de nouveau de fringue. Histoire de nager plus vite. Comment ça va, Jacking Reaper? Eh ben voilà, c'est plaisant. Welcome. Alors, elle, je l'avais eu, tu vois, la noix de corou, elle est là. Eh oui, je l'avais eu. Alors. Eh, il y a de la caillasse, hein, j'ai bien fait de venir, en vrai. Alors, est-ce que c'est plus intéressant de les faire exploser ou de les péter avec le marteau, je sais pas. Parce que j'ai l'impression que ça te donne que de l'ambre quand tu... Alors que quand tu les fais sauter, j'ai l'impression que ça te met du... Ça te file du rubis ou du saphir. Et pas forcément quand tu les... Ah, il les a tous pris, non, regarde. Bon, bah écoute, c'était plutôt une bonne récolte. Ça dépend quel caillou, ok, d'accord. Mais c'est quand même le marteau, ouais, parce qu'en général, quand tu les fais exploser, alors là, ici, c'est assez safe, vu que c'est dans une grotte. Mais quand tu es à côté d'une falaise ou machin, souvent, quand tu fais exploser, ça part pas du bon côté, quoi. Mais regardez-moi comme c'est beau, putain, c'est de toute beauté. Voilà. Ah, ça sent la lune de sang. Ça sent la lune de sang. Alors ok, mais ça me dit pas où est ce satané Ordrak. Est-ce qu'il est là déjà? Est-ce que c'est là? Est-ce que je suis au bon endroit? Moi, il me semblait quand même que c'était par là, hein, c'est vrai. Il me semblait bien. Hein. Salut beau gosse. Ça beau gosse. Ah, on est d'accord, hein, c'est ça. C'est ce que je disais également.
Pour moi, c'est moins safe, exactement. Tu perds souvent des ingrédients. Soit parce qu'ils chutent, ils tombent. Ouais. Alors, je cherche l'ordrac. J'ai trouvé le rordrac. Je cherche l'ordrac. Et je sais pas où est ce qu'on ordrac. Ça me rend fou. Ouais, c'est ça, tu vois, parce que je me disais que peut-être avec une explosion, ça générait plus de diamants bruts ou de saphirs bruts que le marteau. En général, tu prends du silex ou de l'ambre. C'était ça ma question. Je me pose la question, quoi. C'est un questionnement. What time is it? 9h30. Bah tiens, il y en a encore là. Voilà, par exemple, voilà, le spot typique où tu risques de perdre des trucs si tu fais exploser, quoi. Même en posant, par exemple, la bombe là, pour que ça gicle ici, ça peut tomber, quoi. Mais tu vois, là, souvent, c'est cristal de sel, ambre brute. On va essayer sur celui-là. Tu vois, c'est que de l'ambre. Et je suis sûr que si j'avais mis une bombe, j'aurais tapé autre chose. Sûr et certain. Bon, quoique, non, faux, puisque je loot la même chose. Tu as pas eu d'indice sur où sont les dragons? Alors, j'en ai eu un, puisque j'ai eu le Rordrak. Je crois pas que j'ai des indices, attends. Où est-ce que je l'aurais eu, ça? Les créatures divines, non, ça on l'a, l'héritage des ailes, on s'en fout. C'est pas là-dedans, je crois. Ils disent pas là, tu vois, ils le disent pas. Écaille d'Ordrak, esprit écarlate dans la source de la force. L'offrande était donc une écaille d'Ordrak. Et qui peut bien être Ordrak? Mais il me dit pas où est-ce que ça se trouve. Là, je suis sûr qu'il n'y a pas. Je sais où est le Cryorok. Les normaux, pour l'instant, j'ai looté du sel, du silex et de l'ombre. Ok, ouais. C'est l'écaille d'Ori qui donne des rubis. Ok. La source, je l'ai trouvée. Il n'y a pas de problème, mais je dois lancer une écaille d'Ordrak. En fait, moi, j'ai une écaille de Rordrak. Ce qui n'est pas la même chose, que je crois qu'il y a trois dragons différents. Merci, Hadès. C'est ça, quoi, le truc. Et je sais plus où c'est, putain. Je sais que là, ici, il y en a un. Mais déjà, je crois qu'il faut attendre une certaine heure. Est-ce que je vais pouvoir monter, là? Non. Je suis en train de m'enflammer, là. On va grimper par là. On va essayer de trouver autre part. C'est un peu audacieux ce que je fais là. Ouais, c'est extrêmement audacieux. Qui est parti au boulot. Oh, des œufs. File les œufs, mon pote, file les œufs. C'est bon, les œufs. Faut faire des omelettes. Ah, ouais, peut-être. Peut-être que c'est jouable. Peut-être, 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 peut-être. Du boudin, les gars, ça craint du boudin. T'énerve pas. J'ai dans l'os. Putain, est-ce que j'ai de la
La tambouille qui me donne du... Je crois pas, j'ai pas d'endu. J'ai pas d'endurance, putain. Ça aussi, il faut que je me fasse des potions d'endurance. C'est la merde. Ah, c'est baisé. Je vais retomber sec. Je vais retomber sec. Ça pue la mort, là. Ah, regardez, je suis au bout de ma vie. Aïe, 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 aïe. Ah, oh, je suis tombé dans le... Tout ça pour ça. Ouais, je suis au bout de ma vie, putain. Ok, 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 vas-y. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour. Hop, là, il y en a là. Ce sera peut-être plus simple. Je sais plus où il est, putain, parce qu'il me semblait que c'était là où il y avait des palmiers, c'était un petit peu... J'ai tué Rox et Rookie, les gars, je suis désolé. Qui a connu Rox et Rookie? Rox et Rookie sont des petits amis. Ta 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 ta. Oublie pas que tu peux te TP à tout moment. Ah ouais. Ah, c'est un peu de la carotte, ça. Ah ouais, c'est le bon plan, ça. Ah ouais, donc tu peux te sauver la vie, quoi. Tu peux te sauver la mise, ok. Ah, je connaissais pas ce petit tips. D'accord. Ah ouais, ouais, bah ouais, faut en profiter. Hein. C'est un petit peu comme dans Star Trek, tu vois. Hop, téléportation, monsieur Spock, et tu peux te téléporter. Beaucoup d'ambre, ok. Oh, oh. Oh, j'ai plus d'armes, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux. Ah, comme c'était de l'eau, je me suis électrocuté un peu. Ouais, quand même, le jeu est toujours aussi beau, c'est un truc de ouf. Il est beau, ce jeu, quoi. Si incroyable. Oh, là-bas aussi, il y en a. Bon, en tout cas, pas d'ordrag, donc je suis plus dans le bon endroit, c'est dommage. Allez, viens, toi, je te pète tes dents. Allez, viens. Ah, pourquoi je le... Saleté là. C'est pas sympa. C'est pas sympa, c'est ça que je dis. Eh ? D'accord, d'accord, d'accord. Je fais un peu le con aussi là. Un peu un coup de chat, hein. À plus de 100 heures de jeu, 100 heures de jeu, c'est beau. Mais pourquoi je fais ça? Ah bah si je peux récolter de l'ambre en dessous des rochers, des petits cailloux, on va prendre. Ah bah oui, mais attends, il y a pas un. Quand même pas mal de caillasses, hein, les gars.
Ah oui, des fois, je fais ça aussi pour vérifier s'il n'y a pas de truc dans la flotte. Vous énervez pas. J'entends des mouettes, mais... Ah ouais, elles sont là. D'accord, c'est merde, j'entends des mouettes et je les vois pas. Ah, je serais bien resté chez moi aujourd'hui, putain, pour jouer. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Oh, j'ai failli les louper, ceux-là. Regarde. Regarde-moi ça. Regardez-moi ça. Bingo. Ça, c'était le bon plan. Hein. Allez, mon ami. What time? 9h30, ok, bientôt moins 20. C'est ce qu'on dit, hein, quand faut y aller. J'avais dit une heure. T'as de la chance, toi. Oh! On arrive ici? Ok, c'est les limites ici. C'est marrant, je suis revenu au village des limites. C'est marrant, ça. Il y a aussi, tu sais, un endroit, Linktony, où il y a des grandes portes. Il y a deux endroits comme ça où tu arrives dans des espèces de canyon et t'as une grande double porte. Et en fait, je sais pas comment les ouvrir. Et je dois pas te cache pas que ça me stresse. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faudrait pas acheter une caillasse là? Y a pas un truc à faire là? Ah ouais? Avec quoi? Avec Cinétis? C'est ça, hein, c'est... avec Polaris? Mais j'ai essayé, je peux pas. Enfin, elle s'éclaire pas la porte, je crois. Là, il y a un truc à faire ici, c'est obligé. C'est quoi l'idée? C'est quoi ça? Y a pas un truc à faire ici. Eh, c'est ça, quel canyon? Je te remercie de me la reposer, je ne sais plus. Je sais plus en fait. Je sais plus si je l'ai marqué sur ma carte. J'aurai pas le temps d'y aller. Je vais devoir bouger, mais. C'est quoi ça là-haut? Qu'est-ce que c'est? Ah non, mais c'est un arbre, ok. C'est-à-dire, je dois atterrir dessus ou je dois... Et je vais sauter comment? Ah. Sauter dedans, bah j'ai sauté là. Je me suis laissé tomber. Ouais, ok. Veux-tu que je saute dedans? Non. Bon, je l'ai dans le huc. Je vais le noter par contre, parce que je mettrai qu'il y a une noix korogu ici. Je vais mettre qu'il y a une noix korogu ici même, à mon endroit.
Ah, j'aime pas quand tu fais ça. Noix Korogu. Poc. Ça a toujours ça de prix. Bonne journée à toi, l'ami. Bon courage. Bah écoute, oui, je vais pas tarder à y aller parce que, bah, parce qu'à un moment, faut arrêter de s'amuser. Hein. Faut bosser surtout. Il faut aller bosser, malheureusement. Ah putain, la libellule. La libellule, elle est partie, la libellule. Il y a plein de libellules et je vais pas les trouver, les libellules. Ouais, je vais aller bosser, j'avoue. J'avoue. Il est quoi, les moins 20? Ouais. Le temps de se préparer tranquillement. Faut être sérieux un peu. Viens, mon petit cochon. Viens, cochon. Viens là. Viens ici. Il faut la barbaque, hein. Allez, je me tape ces tocards et on y va. Oh, tout se pète, c'est un truc de ouf. Oh, je te protégerai. C'est possible. Il est où l'autre? Attends, je suis vraiment une merde. Tire-toi. Il n'y a même pas de coffre. Bon, tu me diras, il y a... Ah ouais, il n'y a vraiment rien. C'est la merde. Et quel plaisir, des champignons. Qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Ah, par contre, il y a du rubis, du saphir. Ah ouais, si. Il y avait de l'oseille, les gars. Qu'est-ce qu'il y a, les amis? Mais oui, les copines. Il y avait ce qu'il faut, en fait. Bon, allez, j'arrête mes conneries. Je vais aller me TP. Et je me tire d'ici, là. J'arrête mes bêtises. C'est possible que ce soit ça, hein, entre la plaine d'Irule et Tabanta. C'est possible, je sais qu'il y en a deux, hein, il y a deux spots. Je sais plus où ils sont. Ah. Bon, bah écoute, c'était une petite session d'une heure bien sympathique, en votre compagnie. C'est toujours un plaisir. Bah ce soir, Jacking Reaper, si t'es dispo, t'hésites pas, je serai là à partir de 20h. Bam, tu viens donner un coup de main, ça fait plaisir. Toujours un plaisir. Bah oui. Parce que j'ai besoin, moi, d'aide. Je sais pas faire. Hein. Je
sais pas tout faire. C'est pour ça. Donc, voilà. Ok, ok. Bon, bah, les amis, je vous remercie beaucoup. Hein. Les garçons, les filles, les non-filles, les non-garçons. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à ce soir, 20h, normalement, ça devrait être assez, assez cool, quoi. 20h, 20h30, peut-être, le temps de bouffer. Je vous fais des bisous. À ce soir. Ciao, ciao.